I could get through to you. Don't know what I do to ya. Anything I say will come off as wrong, and you're not alone. Something feels out of place, but you have no tell. It's like we want the same things, but the lines we've drawn are too parallel. I can't sleep when you're not talking to me. Got me suffering. Bonjour et bienvenue dans le compte-rendu vidéo de la quatrième épreuve de ce championnat BGDC 2019, tenu dans le cadre des 25 heures Fun Cup sur le circuit de Spa-Francorchamps, les 11, 12 et 13 juillet dernier. Particularité de cette quatrième manche de la saison, elle se disputera en deux fois 100 minutes, le vendredi et le samedi. Et qui dit Spa-Francorchamps dit météo plutôt capricieuse. Et vous allez le voir, ça n'a pas été en faveur de l'équipe G-Racing. Making the rules I abuse, I'm confused enough. Why don't you think we could talk? Am I not the one who always comes through? Fait particulier pour cette quatrième épreuve de la saison, on retrouvera une grille gonflée des membres du championnat 750 Motor Club, un championnat britannique amateur qui viendra se greffer sur le BGDC. N'influençant en rien les résultats, les deux championnats évolueront ensemble sur le toboggan des Ardennes. Au moment de prendre place sur la grille de départ, c'est en 5ème position que la numéro 48 de Van Mechelen, Businaro et Holmes se place avec un chrono de 2,57,525. Petite désillusion derrière puisque Chevalier, Van Damme et Skane sur la 46 partiront 14ème avec un temps de 3,29,905. Alors que la première moitié de cette course se déroulait sans embûches pour l'ensemble des concurrents, c'est finalement la pluie qui est venue jouer les troubles faits avec une averse soudaine et très intense. Même les meilleurs météorologues de Spa-Francorchamps ne l'auront pas vu venir, celle-là. Cohue dans les stands, tout le monde se bat pour venir chausser des gommes sculptées. Alors que la 48, en train de se battre pour la deuxième position, est appelée au stand, c'est finalement la 46, la première à se présenter. Dans l'urgence, c'est celle-ci qui sera servie en premier dans l'équipe. Derrière, on constate tout le désespoir de Bart Holmes au moment où il découvre la 46 devant lui. La situation restera telle quelle avec une troisième position au moment de l'abaissement du drapeau à damier sur la première moitié de cette épreuve. La Civic numéro 48 gardera sa position provisoire sur le podium jusqu'au départ de la deuxième course le samedi matin. Et ce départ aura lieu des stands, vous le vivez directement depuis le cockpit. Ouais, maintenant! Ouais.
Vraiment, à partir de 7 mètres, ça vient mouiller. Vraiment. Alors que Julien Skane s'embarque dans la numéro 46 pour prendre la fin de son relais dans une épreuve qui aura été très compliquée, la numéro 46 montre des signes de faiblesse et une fumée blanche est en train de s'échapper au fur et à mesure de l'épreuve, de l'échappement. Et cela mènera jusqu'à une casse moteur qu'on vous invite à vivre également en caméra embarquée. Les concurrents du BGTC ne sont pas les seuls à souffrir de bris mécaniques ou de difficultés. Les pilotes du 750 Motor Club sont également victimes de soucis. Ils seront plusieurs à rendre les armes avant le drapeau à damier, qui aura lieu d'ailleurs sur piste sèche. Ultime changement de pilote dans ce week-end avec Jan van Mechelen qui va laisser sa place à Bart Holmes alors que le ravitaillement de la 48 est effectué, ainsi que la pression des pneus pour tenter de rallier le drapeau à damier avec une potentielle troisième place à l'arrivée. En conclusion de ce week-end difficile pour l'équipe G Racing, la maigre consolation d'une deuxième place sur le podium pour Van Mechelen, Holmes et Businaro qui repartiront donc derrière la Clio des vainqueurs. Quant à nous, on se donne rendez-vous pour la prochaine épreuve, elle aura lieu du côté de Zolder. Il reste deux meetings dans ce championnat BGDC. On vous donne évidemment rendez-vous pour vivre tout ça ensemble en vidéo. Merci à tous et à la prochaine. Au revoir.